faut se rappeler qu'à La Réunion, on a deux fois plus de problèmes cardiologiques qu'en métropole. C'est aussi important à La Réunion que le diabète et d'autres maladies qu'on rencontre fréquemment dans l'île. Et donc l'importance de la filière cardiovasculaire est énorme dans notre établissement. Les services de cardiologie du Nord et du Sud sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a certaines techniques qui vont être faites au Sud et d'autres où les experts vont être au Nord. Et il n'y a pas de redondance entre les deux pôles. On a 5 secteurs au sein de la cardiologie du CHU Nord. Le service de soins intensifs qui a 12 lits. On a le service de cardiologie conventionnelle dans lequel on a 20 lits. On a l'hôpital de jour de cardiologie. On a ensuite le service des consultations et des échographies. Et le plateau technique invasif au bloc opératoire où on réalise les coronarographies et des interventions plus poussées qu'on appelle structurelles. C'est un très gros service. On a plus de 2000 patients hospitalisés aux soins intensifs tous les ans, plus de 3000 patients hospitalisés en cardiologie tous les ans au sein de notre service. Et on réalise plus de 2500 coronarographies au bloc opératoire tous les ans. Et tous les chiffres sont en augmentation. On a la chance effectivement d'avoir les compétences et le professionnalisme pour assurer une prise en charge totale et complète dans tous les secteurs de la cardiologie aujourd'hui, sur lesquels on peut faire de la concurrence avec tous les centres français et européens. Tous les médecins chez nous ont été formés en métropole. On a tous ramené un peu nos compétences, notre expérience, notre expertise. On a développé beaucoup d'idées et on tente en tout cas quotidiennement d'améliorer la qualité de prise en charge dans le service de cardiologie au CHU de La Réunion. Ici, c'est notre hôpital de jour. On reçoit 3 types de patients. Il y a les patients qui vont venir le matin pour avoir une coronarographie au bloc opératoire, qui vont repartir dans l'après-midi, donc c'est de la coronarographie ambulatoire. On a des patients qui viennent pour la matinée ou pour la journée pour réaliser des bilans. Et puis, la troisième partie, ce sont les patients qui viennent pour une pathologie grave, l'insuffisance cardiaque, et ils sont pris en charge dans notre unité spécialisée ambulatoire de l'insuffisance cardiaque. Et on essaie d'améliorer leur prise en charge, de les éduquer à leur pathologie pour qu'ils puissent la comprendre et mieux se prendre en charge. Aujourd'hui, on a une complémentarité et une communication très importante entre les deux centres de cardiologie du CHU, Nord et Sud. Et on est parfaitement complémentaires et on peut proposer une prise en charge complète et optimale pour l'ensemble des pathologies cardiaques à l'ensemble de la population réunionnaise. L'intérêt de cette concentration d'experts sur des sites différents permet d'offrir une meilleure approche médicale pour le patient, sachant qu'en permanence, nous avons des réunions par visioconférence pour discuter des cas complexes. De façon historique, le CHU Nord s'occupe de tous les problèmes coronariens, c'est-à-dire les artères qui se bouchent, les infarctus, et le CHU Sud, tout le côté électrique, rythmologie. Cette activité de rythmologie demande un niveau d'expertise particulier, avec des diplômes particuliers, et c'est une spécialisation de la cardiologie qui ne s'occupe que de l'électricité cardiaque en somme. C'est la pose de défibrillateur chez des gens qui ont le cœur très fatigué et qui agit comme un ange gardien et qui peut intervenir pour refaire partir le cœur en cas d'arrêt cardiaque. L'autre activité, l'autre versant de la rythmologie est l'activité d'ablation qui consiste à aller cautériser des zones électriquement anormales au sein du tissu cardiaque, soit par le chaud, on parlera d'ablation par radiofréquence, soit par le froid, l'ablation par cryothérapie. La manipulation des cathéters fait intervenir le système de cartographie en 3 dimensions qui permet, grâce à des patchs cutanés, de reconstruire la géométrie 3D du massif cardiaque et, grâce à des algorithmes et grâce à des enregistrements particuliers, de repérer et de trouver les troubles du rythme pour les guérir. On peut dire que maintenant, tous les aspects des pathologies cardiologiques peuvent être pris en charge dans l'île. Une fois que nous aurons bien sûr démarré le programme de greffe cardiaque qui était la seule chose qui nous manquait encore, mais sinon vraiment la prise en charge est complète en cardiologie. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux
et nous contacter à l'adresse vital@blablaprod.fr.